Je suis ravi de vous accueillir dans nos locaux. Je suis là comme président de l'agglomération Riom-Limagné-Volcans. On est dans les locaux d'une de nos pépinières. On en a plusieurs sur le territoire, à Châtel, au Biopôle de Saint-Beauzire, à Volvic, ici. Ravi de vous accueillir avec Pierre Pécoule, vice-président en charge de l'économie et de l'attractivité sur notre agglomération. Ce bâtiment a été historiquement. Les bâtiments administratifs du lycée du bâtiment de Volvic, et quand le lycée du bâtiment a été transféré à Riom, dans ce qui est devenu le lycée Pierre-Joël Bonté, les collectivités ont récupéré ces bâtiments. À côté, on en a fait une crèche, et puis ici, une crèche d'entreprise, donc une pépinière, donc la boucle est bouclée, et on a une originalité avec à l'étage des appartements, donc il y a des chefs d'entreprise qui travaillent à cet étage et qui peuvent habiter au-dessus, il y en a. Et comme ça, ils travaillent à la chinoise tout le temps. Ils passent du bureau à la chambre, de la chambre au bureau, et voilà. On a même le DGS de la ville de Châtel qui est hébergé en ce moment, en attendant qu'il trouve un point de chute définitif. Voilà, moi je suis juste là pour dire ce mot-là. Ravi aussi de le faire indirectement. Je suis pas là pour accueillir au nom de la marque Auvergne, mais je suis ravi de le faire quand même. Ça fait un moment qu'on voulait faire un apéro sur ce territoire. Je fais partie des élus régionaux avec Laurent Wauquiez qui ont souhaité relancer cette marque dans laquelle un certain nombre de chefs d'entreprise s'impliquent ou dirigeants d'entreprise. Je vois Jean-Luc Gaillard d'Ingérop qui est aussi élu municipal à Châtel présent. Et donc toute cette dynamique collective, soyons fiers d'être Auvergnats, travaillons en réseau, travaillons ensemble. C'est tout le travail qui a été initié avec la marque Auvergne qui est aujourd'hui présidée par un autre Cantalou, notre collègue Pierre Desprats, qui doit être au salon de l'agriculture en train de réseauter aujourd'hui pour la marque Auvergne. Voilà, j'ai fini mon intro. Je ne sais plus à qui je passe la parole. Il y a plein de Cécile, donc je passe la parole à une Cécile. Eh bien, allez, Voilà. je prends la suite. Donc, bonsoir à tous. Je suis Cécile Chaput, je suis directrice du pôle attractivité de Riom-Limagné-Volcans. Donc, l'attractivité regroupant l'économie, le tourisme et l'agriculture. Donc, en effet, premier apéro du territoire, enfin. On en parlait depuis pas mal de temps. Donc, la soirée est aux entrepreneurs. Donc, je ne vais pas parler très longtemps. On va avoir 5 pitchs d'entrepreneurs, 4 qui sont hébergés dans la pépinière, donc en phase de développement, de création, et puis on espère après d'envol sur notre territoire, puisque l'objectif ensuite, c'est bien évidemment d'installer les entreprises sur notre territoire. Et un cinquième pitch de porteurs de projets sur Riom, sur la commune de Riom, qui nous présenteront leur projet de tiers-lieu. Un petit mot, je pense qu'on passera dans la salle, voir si on fera un open micro, si certains ont une actualité, une envie de se présenter par rapport à ce que vous avez écouté. Et puis après, ça sera vraiment l'apéro de RLV et de Marc Auvergne. Et Cécile, donc Cubizol de Marc Auvergne, va nous présenter le concept EPERO. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Et pour celles et ceux que je ne connais pas, je suis Cécile, responsable de la marque Auvergne, qui est une association. Donc je remercie déjà le président pour son accueil, les équipes et puis le connecteur qui est partenaire sur tous nos apéros Auvergne, parce que là on est à Volvic, mais il y en a à peu près une soixantaine par an. La marque Auvergne, c'est une association qui réunit aujourd'hui 500 leaders, acteurs publics et privés, monde associatif, citoyens du territoire. Qui travaillent effectivement aux côtés de notre association pour que collectivement on puisse continuer à faire exister et rayonner l'Auvergne à l'échelle régionale et puis à l'échelle nationale. On a tous des enjeux d'image et d'attractivité. On le fait grâce au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un des financeurs de notre association. Les apéros sont un héritage de l'association qui précédait la marque Auvergne Nouveau Monde, un concept un peu voilà, scène ouverte comme vous le connaissez, qui permet aussi aux porteurs de projets, aux entrepreneurs de venir finalement aussi dans leur écosystème se rencontrer des acteurs qui peuvent les accompagner, aux porteurs de projets aussi de se projeter avec des entrepreneurs qui peuvent leur partager leur expérience et aussi peut-être les rassurer dans leur parcours. Et ça contribue aussi à l'image d'un territoire dont on veut montrer la dynamique économique. On a 60 apéros par an, ce qui fait 150, 200 prises de parole de façon un peu conviviale. On leur dit venez comme vous êtes, il n'y a pas un jury, il n'y a pas des slides, venez partager et expliquer ce que vous faites. C'est aussi le rayonnement de la fierté de tous, des uns et des autres, d'être capable aussi de parler de ce qui va se passer, de ce qui se passe sur notre territoire. C'est un peu notre rôle aussi d'être tous ambassadeurs de nos territoires et donc de la marque Auvergne. Super, merci. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet. On va démarrer avec Brefextein,
Donc, deux jeunes entrepreneurs rencontrés lors du Pôle Pépite, le Pôle Pépite Entrepreneuriat. Et voilà, à vous. Merci. Je vais juste vous mettre un petit peu de pression. C'est, vous savez, il y a un temps imparti ouais, à chacun. 3-5 minutes. Minutes. On est dans le cadre, on ne joue plus. C'est ça ? Ouais. Si, si. Donc, bonjour à tous. Donc, pour nous présenter, donc, moi, c'est Cynthia Rousseau. Et donc, mon associé Thomas Pisano, nous sommes les cofondateurs de RéflexTime. Pour vous expliquer un petit peu notre histoire, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'école, animés par cette même volonté d'entreprendre et de faire bouger les lignes. Et c'est lors de notre aventure entrepreneuriale que nous avons été confrontés au secteur de la rééducation, où nous avons pu identifier une problématique majeure. C'est la difficulté pour les praticiens de capter l'attention du patient, de mobiliser, d'accroître la motivation, qui est un véritable facteur clé de succès pour une rééducation optimisée. Et donc, fort de ce constat, nous nous sommes entourés d'un comité d'experts composé des principaux acteurs de la rééducation, des psychomotriciens, des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes. Et donc, ensemble, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, nous avons co-construit et développé un outil qui vise à amener des résultats donc significatifs sur le secteur de la rééducation motrice et cognitive. Nous avons réalisé des tests terrain auprès de patients et les premiers résultats sont prometteurs. En effet, il est plus simple d'engager le patient et les mouvements sont plus précis. Étant l'étape de brevetabilité, nous n'allons pas pouvoir vous donner d'éléments clés, mais nous allons quand même vous expliquer l'essentiel brièvement. On propose une expérience immersive à travers des modules interconnectés qui permettent de mobiliser différents sens qui sont la vue, l'ouïe et le toucher. Dans la mise en place de l'exercice, le praticien va pouvoir, à l'aide d'une application mobile, mettre en place des exercices qui sont dédiés à la pathologie de son patient et pouvoir recenser les résultats qui découlent de celui-ci. Donc aujourd'hui, nous faisons partie de la pépinière. Nous l'avons connue par l'intermédiaire de notre bureau d'études Fluidi, qui loge également ici et avec lesquels nous travaillons, qui nous accompagnent dans la faisabilité technique et économique de notre produit jusqu'à la mise en place, jusqu'à l'industrialisation de notre produit. Nous avons commencé des tests terrain pour valider les différentes caractéristiques de notre produit et nous avons programmé une commercialisation de notre outil que nous ne pouvons pas vous donner actuellement. Donc je ne sais plus si j'avais quelque chose d'autre à dire, mais je crois que c'est tout. Donc, merci pour votre écoute. Voilà. N'hésitez pas, si vous voyez Thomas, lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ça va. Bon anniversaire. Et ayez le réflexe time. Voilà. Une petite phrase, ayez le réflexe. Ouais, c'est important. On fait la passation. Merci. Merci beaucoup. Et si vous voulez. Ah, il y a des questions. Ah, il y a peut-être des questions. Est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? La vie. Alors aujourd'hui, vous avez déjà des contacts? Comment ça se passe avec des... Oui, on a déjà des contacts. En fait, ça fait plus de 2 ans qu'on co-développe. Donc, comme on vous disait, avec des praticiens. Et on a commencé déjà à faire de la prospection pour étendre plus large, en fait, au-delà de Clermont, sur le territoire, pour voir l'attrait, l'attraction du produit qu'on est en train de réaliser. On a des kinés pour commencer avec qui on peut travailler. D'ailleurs, il y a un nouveau cabinet de kinés qui vient de s'ouvrir sur Rayon, un kiné qui nous suit depuis un petit moment. Donc déjà, c'est appréciable. Et on travaille beaucoup aussi avec le centre de formation de Clermont Foot ASM pour tester les produits. D'accord. On est en lien aussi avec des écoles de kiné, de psychomotriciens, pour aussi avoir des retours, pour aussi initier la recherche avec des étudiants. Voilà. On se développe comme ça. Voilà. Parfait. Donc là, vous êtes en train de breveter, vous l'avez dit. Et ouais. Votre prochain challenge, ça va être quoi? Enfin, c'est... Ouais, il y en a quelques-uns, hein, le prochain challenge.
de finaliser en fait le prototype pour amener justement à l'industrialisation, donc le déploiement. Il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, mais c'est la réglementation. On est sur le secteur médical, et donc on objective en fait le dispositif médical. Donc ça, c'est aussi un sacré challenge à mener. Et pour l'industrialisation, ça se passe où ? Vous savez déjà Oui. Enfin, en tout cas, actuellement, on est sur le territoire. On a tout fait sur le territoire, que ce soit le développement du produit et la fabrication. On est à quelques kilomètres du Puy-en-Velay. Voilà. Électronique du Mazé, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, qui connaît bien le secteur d'activité des kinés, parce qu'il développe des produits pour les kinés. Il connaît bien donc, toutes les réglementations, les normes pour le dispositif médical. Et dans la phase de prototypage, on peut préciser qu'en effet, donc Fully va venir pour se présenter également. Mmh. Oui. Et il y a donc Fully aussi une autre entreprise de la pépinière. Et il y a un Fab Lab à la pépinière. Donc Fully travaille avec son matériel et aussi avec le Fab Lab. Donc il y a toute cette phase de prototypage qui est en lien avec les équipements. Oui, totalement. Non, la pépinière nous aide beaucoup aussi à nous développer par le biais des entreprises qui travaillent ici et par l'équipement, on va dire, qui est proposé aussi. Donc c'est la transition, on va pouvoir enchaîner avec Fully. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bon, pour l'instant, je suis seul, peut-être oui, que... Il manque il manque quelques collaborateurs. C'est parti. Donc, du coup, Fully, qu'est-ce que c'est ? C'est un cabinet d'expertise en objets connectés. Donc, finalement, on est parti d'un constat qui est que les objets connectés, c'est assez compliqué à réaliser, que ça nécessite beaucoup d'expertise au final pour pouvoir les créer, que ce soit des mécatroniciens, électroniciens, des développeurs sur toute la partie, que ce soit objet, data, donc récolte, analyse, traitement des données, sur la partie commerce, donc commercial, community manager. Donc au final, ça va être tout un ensemble d'expertise qui vont être nécessaires pour élaborer un projet. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué de toutes les réunir. Et quand on les réunit, le problème, c'est que pour la plupart, sont silotés et ça va demander d'avoir une communication vraiment très fine en interne, que ce soit entre les équipes ou même parfois entre les membres d'une équipe, pour éviter justement tout ralentissement dans le projet. Donc Fully, au final, en quelques mots, donc, comme je le disais, c'est un cabinet d'expertise où nous, notre volonté, c'est d'avoir une petite équipe donc pluridisciplinaire, multidomaine de compétences, où chacun va toucher un petit peu à tous les domaines, mais en ayant quand même une spécialité. Et on souhaite également pouvoir faire de la production locale donc par le biais de notre atelier qui se situe ici dans les locaux. L'objectif ici, ça va être de produire rapidement et surtout à bas coût, de ne pas être dépendant des intervenants extérieurs et de se dire que si on a besoin d'itérer sur un projet au jour J, par exemple, après un crash test sur le marché, on sera en capacité de le faire. Mais toujours dans l'idée... do it yourself, atelier, on le fait rapidement pour pas cher et ça permet d'apporter des modifications rapides sur le produit, d'itérer rapidement. Voilà ce que je peux dire sur la partie, on va dire, constat, mission de Fully. Pierre, je te laisse la main si tu as quelques éléments à rajouter. J'avais même pas besoin de mon aide. En plus. Tout à fait. Ce que je peux rajouter, c'est sur notre typologie de clients qui est relativement variée. Mmh. On adresse à la fois de la start-up comme RefleXtime, comme Cynthia a pu vous dire tout à l'heure. On adresse aussi des problématiques plutôt grands groupes avec des problématiques de type MCO, maintien en condition opérationnelle, où on fait aussi de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça passe par de la digitalisation d'entreprise, pour utiliser des termes un peu à la mode, ou avec un autre client typé plutôt PME, c'est plutôt faciliter, fluidifier en fait les échanges entre les différents acteurs que l'on peut retrouver sur un projet. Donc c'est la même topologie en fait que l'on a en interne, mais à plus grande échelle avec un projet d'envergure grand groupe. Après, on a aussi travaillé sur de l'expertise plutôt sur des entreprises plutôt type TPE. Donc c'est plutôt de la recherche et,
Et donc là, on réalise différents travaux avec une méthode scientifique, où justement on va au constat, même si parfois il est négatif. Fudi actuellement, c'est 7 personnes temps plein, à partir de... C'est 7 salariés, je reprends, 2 dirigeants et donc 4 alternants plus un CDI. Donc avec nos alternants, on retrouve l'ensemble des spectres que Bertrand a pu évoquer. On a de l'ELEC, on a du firmware, on a de la méca et on a bien sûr aussi la partie technico-commerciale business représentée par Bertrand. Et enfin, on n'a pas réussi à faire sans notre assistant, Jonathan, qui lui est en fait notre go volant. Il fait à la fois de la production, il fait à la fois de l'assistance sur de l'atelier, sur du labo, sur de l'administration, etc. pour nous décharger au maximum. Et on n'a pas parlé des deux dirigeants, donc 2 associés, Clément Petit et Pierre Marchand, moi-même. Clément, plutôt, lui, a un profil rubicubiste, builder, donc avec 10 ans d'expérience chez Michelin. Et moi, plutôt, un profil maker, IoT, plutôt encore plus tech que Clément. Donc Clément, plutôt, lui, informatique industrielle, et moi, plutôt, électronique, firmware. Je pense que là, pour... Aussi, tout ouais. dit. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tous les termes ont été compris, mais. Merci, vous en effet. Est-ce que vous souhaitez poser une ou deux questions, peut-être ou, sur les termes, finalement. Non, c'était très clair. Ouais, ça a été alors. Qu'est-ce que c'est un profil rubicubiste. Alors, il faut imaginer quelqu'un qui fait un Rubik's Cube, en fait, il va prendre une solution, la tourner dans tous les sens et en fait réinventer à chaque fois à partir d'une problématique différentes solutions. Donc, ça nous amène en fait à avoir des constats où pour un produit, typiquement un pod pour Reflex Time, un pod lumineux, on va en fait identifier qu'une radio douche avec une ventouse qui se colle dans la douche répond parfaitement à la problématique de fixation. Voilà. Donc on prend des objets, on les tourne dans tous les sens, on identifie les solutions et en fait on sort du contexte à chaque fois. Ouais. Voilà. C'est l'air de détourner, de réinventer un petit peu ce que l'on trouve déjà. Un ou deux exemples d'objets connectés. D'objets connectés, pour une PME, on réalise un boîtier qui va connecter un véhicule. Donc en ajoutant tout un panel de services, par exemple du verrouillage, déverrouillage de véhicules. Dans le cadre de Reflex Time, le pod est connecté à une application smartphone, en Bluetooth par exemple. Et un troisième cas pour une autre startup, c'est une demande où on nous demande en fait de mettre à jour le firmware à distance au travers d'un modem cellulaire en 3G. Voilà. Donc c'est très varié en fait. Beaucoup d'objets connectés et de différentes manières. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci. On va être un peu moins dans la tech, mais on est toujours dans la connexion. Mais cette fois-ci, connexion plus humaine et relationnelle. Et donc, Angélique, on va ancrer. Voilà. Donc, Angélique te présente aussi à la pépinière et qui va nous présenter Andy Facile et peut-être un ou deux autres projets. Parce qu'il y en a beaucoup, mais à toi de voir. Il y en a beaucoup. Alors, malgré mon petit accent, quand même, ça c'est fait. Andy Facile, que je vais vous présenter là, est un pur produit du territoire. Et quand je dis territoire, c'est RLV. Grâce à RLV, je suis ici et Andy Facile a le jour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis consultante handicap, formatrice et référente handicap externalisée également pour des entreprises du territoire comme Picture, où je les accompagne sur la mise en place de stratégies et d'ingénierie autour du handicap. Ça fait 25 ans exactement que je fais ce métier-là et aujourd'hui j'ai décidé d'avancer un petit peu plus et donc de créer l'association Handy Facile que je vais vous présenter. Quand je dis un produit du territoire, c'est-à-dire que même la tasse avec laquelle je vais m'exprimer aujourd'hui a été faite par le Fab Lab en bas. Et que l'accompagnement, jusqu'à merci Anthony qui a corrigé mes slides tout à l'heure, est vraiment, vraiment pertinent pour le développement, notamment quand on ne connaît personne et merci, j'habite au-dessus. Ça, c'est fait. Donc du coup, pourquoi je suis consultante handicap alors que je ne parais pas en situation de handicap? Ça va être très simple. Je vais vous montrer cette petite tasse. Il y a 25 ans, j'ai eu un grave accident de la vie et je me suis retrouvée au fond de la tasse. Et donc du coup, j'ai toujours regardé ce spectre de la tasse. Et puis un jour, j'ai croisé autour d'une tasse de café une personne en situation de handicap. Et puis j'ai croisé un sourd.
et puis d'autres personnes en situation de handicap. Et petit à petit, ils m'ont dit, Angèle, ça serait peut-être bien quand même que cette tasse, tu commences à la regarder comme ça. Et donc, effectivement, j'ai commencé à le regarder comme ça et j'ai vu que la différence était une vraie richesse aujourd'hui. Et donc, moi, depuis 25 ans, je vis avec cette richesse et avec les personnes en situation de handicap et qui accompagnent toujours le projet. Donc, Andy Facile, du coup, bah, j'ai résumé, hein, c'est pas grave. Tu veux que je fasse ? Non, ça va aller. Réponds à un constat, parce qu'aujourd'hui, faire un projet, oui, mais quel projet ? Effectivement, il y en a beaucoup et ça fusionne trop. Donc, si je vous parle de la loi de 2005, situation de handicap, probabilité que les gens la connaissent, très peu. Dans les cadres de mes formations, je la reprends pour tous les référents handicap. Si je vous parle d'accessibilité universelle, aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc, on pourra en discuter après si vous voulez. Et si je vous passe de l'accessibilité, j'espère qu'il va y avoir du sous-titrage. Si je vous parle de maillage associatif, pourquoi je suis venue ici ? Parce qu'on a un territoire auvergnat qui est très très riche au niveau de tout ce qui peut se faire autour du handicap. Par contre, si l'un de vous demain bascule dans un accident de la vie, eh bien, vous allez mettre à peu près 2 ans pour comprendre cet écosystème qui est très complexe. Autre information, on a des nouveaux projets qui sont en train, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appellent les 1001 premiers jours de la vie. Dans le même principe, les 1001 premiers jours de la vie en situation de handicap, personne n'en parle. Pourtant, on a plein d'instances. Maladies professionnelles, ben, on a beaucoup d'instances aujourd'hui qui ne savent pas comment ils vont pouvoir accompagner. Des gens qui ont juste envie de travailler 5 heures, 10 heures. Non, nous, on a des mi-temps, on a des temps pleins. Et donc, du coup, ben, vous faites quoi ? Désolé, vous allez rester chez vous, même si vous avez des compétences. Des référents handicap, il y en a partout et sur tous les territoires. Formation de 2 jours. Je suis désolée, je pique un peu, mais c'est une réalité. Et avec très peu d'heures aujourd'hui pour accompagner réellement les personnes en situation de handicap et la différenciation également d'un territoire. Et enfin, on va dire qu'on a les sourds qui s'expriment en langue des signes française. Le lourd handicap, encore on dit, waouh, ça va être compliqué, il a des super compétences, mais peut-être que je ne vais pas le prendre. Et tous les déficients visuels, donc le CRDV de Clermont-Ferrand, pas de potentialité aujourd'hui pour des embauches. C'est bien dommage parce que pourtant, c'est des gens géniaux. Donc du coup, j'ai décidé de créer un nouveau métier qui s'appelle les ambassadeurs conviviants. Cécile, quand elle me dit qu'il y a plein d'autres projets, ça veut dire que ces ambassadeurs, il va falloir les former avec cette notion de convivance. La notion de convivance, c'est une notion que... Ben, je pense être la seule aujourd'hui à en parler en France. La loi de 2005 est une vraie avancée. On a parlé de handicap à situation de handicap. Déjà, c'est très mal compris. Et puis, on parle d'inclusion. La définition d'inclusion, c'est « Hop, je m'excuse, je vais faire une place à toi, petit handicapé qui est à côté. » Moi, je parle un petit peu autrement. Vous irez voir ce que définit la notion de convivance, ou si vous êtes intéressé, j'en parlerai après avec vous autour. Bon, il n'y a pas de tasse, mais j'en ai d'autres. Sur ce que ça définit, c'est simplement un écosystème dans chacun a le droit de valoriser sa différence et qui fonctionne plutôt bien. Pour en revenir à Andy Facile et mes ambassadeurs convivance, ça sera donc des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas d'offre de proposition d'emploi. Donc, je ne suis pas un concurrent de l'ADIS. Non. Je suis quelqu'un qui vient proposer de l'emploi à des personnes qui n'ont rien, notamment des emplois courts. Donc, l'association... va répondre du coup à la mise à disposition d'ambassadeurs convivance au sein des entreprises, des collectivités ou des organismes de formation sur des temps courts, en mise à disposition. Et en fonction des territoires et de l'empathie sur le projet, il y aura aussi des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui ont encore envie de s'investir, même bénévolement, et donc qui seront mis à disposition pour accueillir leurs pairs, qui malheureusement sont tombés en situation de handicap et qui, plutôt que d'attendre 2 ans, se dit « j'ai envie de comprendre rapidement, un ambassadeur pourrait me filer un coup de main ». Donc on tend la main avec la connaissance de l'ensemble du territoire et on oriente. On n'est pas la MDPH, on n'est pas le département, on n'est pas une collectivité. L'objectif, c'est d'avoir un référencement de tout ce qui se fait. Et donc, merci parce que ça fait 3 ans que je suis là et que je commence à connaître l'ensemble des acteurs autour du handicap et que je suis reconnue aussi pour mon expertise. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire, hop, on bascule
et mon expertise, c'est pas la mienne, parce que ma différenciation, elle est simplement parce que je travaille avec les personnes en situation de handicap. Et si demain, n'importe qui, puisqu'on a déjà parlé avec d'autres entrepreneurs ici, vous me demandez de venir vous accompagner, je vais vous dire non. Sur votre territoire, il y a déjà plein de personnes en situation de handicap. Ce que je vais faire, c'est juste les prendre par ma main droite et vous prendre et vous connecter ensemble. Ça, c'est ce que je fais depuis 25 ans. Et du coup, bah, c'est le projet d'Handifacile également avec ces petits ambassadeurs. J'en suis aujourd'hui à tester quand même le besoin dans sa réalité. Donc, je suis incubée à l'heure actuelle chez Coco Shaker dans la phase d'expérimentation pour lequel on a lancé pas mal de questionnaires. J'accélère. On a lancé pas mal de questionnaires, donc je pourrais vous les donner par la suite. La création de l'association qui se fera au mois d'avril, le premier programme de formation en juillet pour les ambassadeurs, avec une mise à disposition certainement sur ce territoire en janvier 2024 pour pouvoir après partir sur d'autres territoires, puisque étant cadre fédéral handisport, j'ai la possibilité d'aller travailler aussi et de développer ailleurs. Mais j'aimerais bien que ça démarre ici. Voilà, en gros, je vais juste finir avec une petite phrase qui date de... Alors, je ne sais pas si vous la voyez correctement. Je pourrais la signer, mais... Donc, qui date de 1943 et je vous laisse juste la réfléchir. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, vient m'enrichir. Sur ce, bonne soirée. Bravo. Pardon, en fait j'étais un peu stressée quand même, hein, accessoirement. Ça s'est pas vu. Merci Damien. Un gros mot, c'est quoi le modèle économique là, du projet? Oui. Qui paye quoi et à qui? Alors c'est pas un gros mot, c'est une réalité. Deux modèles, alors dans la slide à partir d'avril, du coup les questionnaires vont me permettre aussi de construire les bons modèles économiques, mais dans l'idée à ce jour, j'ai deux possibilités. Soit des ambassadeurs donc, qui sont mis à disposition des collectivités, donc on est une association et donc on aide, on est sur un service public avec des demandes de subventions pour accompagner les citoyens autour de la prise en compte du handicap, de la connaissance, l'écriture du dossier MDPH, tout ce que je fais bénévolement aujourd'hui. Et sur le deuxième côté, c'est de la mise aux dispositions auprès des entreprises, organismes de formation, où dans ce cas-là, on est en train de voir soit un GIE, soit... à mise en disposition, c'est-à-dire que les ambassadeurs viennent répondre aux obligations d'emploi de ces employeurs, avec pas les contraintes, puisque du coup c'est l'association qui gère les contraintes de compensation. Donc on est en train de voir avec la GFIP aussi comment on peut apporter. Ouais. Voilà, tout ça. D'autres questions? C'était très complet. Bon, parfait, je peux repartir. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu souhaites aussi mettre un... Oui, et donc, je fais un métier très visuel, donc... Autre pépin de cette pépinière, Damien Lucarella, donc LD3V, qui va nous présenter son entreprise et le champ d'intervention de celle-ci. D'accord. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo. Donc, bonjour, je m'appelle Damien Lucarella, j'ai une société qui s'appelle LD3V. Donc, je réalise des visuels, des images fixes, des vidéos... et des visites virtuelles dans le domaine de l'architecture. Mes clients sont les architectes, les maîtres d'ouvrage, les collectivités et les promoteurs. Donc là, vous voyez, je vous montre quelques documents que j'ai réalisés récemment, depuis quelques années. Donc je suis en SASU depuis maintenant 2 ans. Avant, j'étais en nom propre pendant 20 ans. Mon objectif est de m'implanter jusqu'à ma mort, jusqu'à la retraite, je ne sais pas, en Auvergne. Je suis en Auvergne depuis 5 ans. Je suis très heureux d'être ici avec ma femme et mes enfants. Et je pense que dans un an, je vais quitter la pépinière pour aller, je dirais, du côté de Rion. Voilà. Donc, comme je le disais, donc je réalise des images fixes pour des présentations de projets, pour les promoteurs, les 4x3 où il y a des belles plantes là, sur les balcons des immeubles. Et aussi pour des concours d'architecture, lycée, collège, logement, c'est très varié, hein. Musée, voilà. Donc là, vous voyez toujours des images de concours, gagnées ou pas. Là, c'est pour Hermès, par exemple. Vers Limoges. C'était pour le projet de Saint-Génien.
Donc, je fais également de la vidéo. Donc là, par exemple, c'est un projet pour la ville du Coteau vers Roanne, dans la Loire. Donc, par exemple, ils aménagent un parc. Donc, voilà, j'ai fait plein de petites vidéos pour présenter à la population le projet. Je fais également des vidéos pour la région. Je travaille beaucoup pour la région. Je fais des vidéos dans le cadre de concours. Par exemple, vous avez un lycée. Il y a 3 architectes qui présentent un projet. Moi, je fais la vidéo de chaque architecte en sous-marin. Je ne les contacte pas. Je fais la vidéo pour que les jurys puissent juger la pertinence de chaque projet. C'est une assistance à maîtrise d'ouvrage, on va dire. Voilà. Donc là, ça, c'est pour Auvergne Habitat, par exemple. Pour un immeuble sur Clermont-Ferrand, je travaille beaucoup pour Auvergne Habitat. Ils sont très agréables à travailler. Je travaille donc pour les architectes dans le cadre de concours. Donc là, c'est un petit peu plus stressant quand même, parce que le stress, il vous le donne avec plaisir. Pour les promoteurs, c'est beaucoup plus agréable. C'est plus calme, on va dire. Là, c'est pour un promoteur au sud de Clermont qui avait un beau projet de lotissement, mais vraiment végétalisé avec des normes très, très intéressantes au niveau de la végétation. Voilà. Le troisième V, donc LD3V, visuel, vidéo, visite virtuelle. Donc, on va bientôt arriver aux visites virtuelles. La visite virtuelle, c'est... comment dire ? C'est donner le projet aux gens. C'est-à-dire que la vidéo, on fait play, on lance la vidéo, on la regarde, ça se termine. Tandis que la visite virtuelle, ben on est acteur. Donc on s'approprie le projet. Donc là, par exemple, on est sur une visite virtuelle d'un appartement sur Clermont-Ferrand pour un promoteur. Voilà, on rentre dans l'appartement, on ressort. Voilà, c'est très facile à manipuler. Bon, vous devez connaître. Hein. La différence, c'est que là, j'ai tout monté en 3D. Ce ne sont pas des photos. Voilà. On peut faire aussi des objets. Par exemple, là, vous connaissez peut-être Genestine, la nouvelle liqueur d'Auvergne. Voilà, j'avais aidé à faire le packaging. Voilà. Sinon, moi, mon objectif, ce n'est pas forcément de devenir une très grosse entreprise, parce que le problème, c'est que dans mon activité, par exemple, moi, même si je voulais embaucher, je ne pourrais pas, parce que mon métier n'existe pas. D'ailleurs, mon code INSEE, c'est très compliqué. Parce qu'avant, on m'a mis imprimeur, parce que mon métier n'existe pas. Donc, il est impossible d'embaucher quelqu'un. Donc, il faudrait que je trouve quelqu'un d'hyper motivé, je le forme, et après, par exemple, il prendrait ma boîte ou plus tard. Et c'est le problème. Tu prends des stagiaires. Je prends des stagiaires, oui, pour leur montrer. Métier, ah oui, et, tout à fait. Finalement, la transcription en image d'un projet... sur le papier ou sur plan. Ah oui, parce carrément. Que régulièrement, quand on vient, il y a toujours les petits jeunes qui sont là. Enfin, tout à fait. Hein, tout pas à fait. Toujours. Non, mais j'ai eu des stagiaires, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est un métier super intéressant. On fait des choses très variées. C'est vraiment... on est dans plein de domaines différents. Voilà, là, j'ai travaillé pour Charade. Quand le circuit de Charade a été vendu, on va dire, à une écurie. Et c'était une très belle expérience également. Super. Merci. Et... demain, je suis content parce que j'ai rendez-vous avec la ville de Rion pour un projet. Donc, voilà. Ah, on vous présentera le maire, des fois. Ton contrat, il est là, il va s'y mettre. Voilà. Merci, David. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions, peut-être ? C'était très clair. Moi, j'ai une réaction. Je trouve ça dingue ce que vous venez de dire, que ça n'existait pas votre métier. Il n'y a pas de formation aujourd'hui sur l'image 3D Architecture, non. Soit vous trouvez des dessinateurs projeteurs. Ah. Moi, j'ai un bac génie civil, donc j'étais dessinateur projeteur, enfin, on va dire ça comme ça, mais dessinateur. On va dire 3D, mais c'est... Soit vous prenez un architecte, mais un architecte a d'autres ambitions, de devenir architecte, pas d'être grouillot, de dessiner pour les autres, en fait. Donc, non, c'est un métier qui n'existe pas. Il n'y a pas de formation à l'école pour ce métier. Alors, il y a des formations dans la 3D, mais pour dessiner une cafetière, pour dessiner une tasse, voilà. Mais pas pour dessiner des bâtiments. Ah, si vous en connaissez, ça m'intéresse en tous les cas. Non, ça n'existe pas. Donc, moi, l'objectif, ce serait peut-être de m'associer avec quelqu'un, et puis après, donc, lui laisser la boîte quand j'arrête. Pour que ce métier continue. Parce que de toute façon, il y a une demande énorme. On va former. Comment ? On va former. Si vous connaissez des jeunes ou moins jeunes qui veulent travailler dans ce métier, pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci.
Merci Damien. On va quitter la pépinière Evolvic et on va aller sur Lyon. Et puis vous allez nous présenter votre projet Aesius. Aesius. Alors moi je dis Aesius, mais Aesius, donc le projet de... On peut dire les deux. Hein. On peut dire les deux, tout à fait. Très bien. Donc projet en création, là on est vraiment sur la phase de création à Lyon. Et puis voilà, vous allez nous présenter tout ça. Eh ben voilà. Donc quelque chose pour votre prénom. Bien sûr. Virginie, ouais. Julien, Jérémy, okay. Cécile. Ah, oui. Cécile, oui. Sinon on manque pas de projet s'il n'y a pas de Cécile. Là, c'est ça, c'est comme ça. Donc en fait, nous, on nous a dit, ben tiens, il y a un truc, si vous voulez venir, vous parler de votre projet pendant 3-5 minutes, on s'est dit, ouais, ok, pas de problème. Puis là, on voit que c'est un petit peu plus formel, il y a monsieur le maire, il y a des caméras, des micros. Et on se dit, waouh, on y a peut-être allé un petit peu trop la fleur au fusil, mais bon, on va faire ça en mode détendu. Donc en fait, on vient vous présenter Aesius. Donc Aesius, c'était le dieu gaulois des bâtisseurs, c'est pour ça qu'on a appelé notre tiers-lieu comme ça. Donc on va le créer à Lyon, Faubourg de l'Aïa. Et ici, mais en fait, vous avez toute l'équipe projet actuelle, on va dire. Et aujourd'hui, elle vient de doubler. Donc on vous explique ça. Dans l'équipe projet, donc il y a à la base, on va dire qu'il y avait Jérémy et moi, donc Jérémy et Virginie qui sont ensemble, je précise. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'on n'ait pas de problème avec nos conjoints. Voilà. Donc Jérémy et moi, nous travaillons chez Michelin. Donc bon, Jérémy, si donc, tu je veux. Je suis aux méthodes industrielles et j'ai fait responsable qualité en usine en Roumanie les 4 dernières années. Et avant, j'étais en ingénierie, dessinateur, projeteur. Voilà. De la 3D pour faire des cafetières. Donc pour rester chez Michelin, je me présente en suivant. Donc Cécile Place, moi je travaille aussi à l'ingénierie, mais je m'occupe de la logistique des machines industrielles. Donc dans les gros projets, je fais en sorte que ça arrive au bon endroit, au bon moment et au bon coût, en gros. Voilà. Et donc, on a commencé à covoiturer, en fait, Jérémy et moi. Et sur la route, on a commencé à dire, « Waouh, ce serait bien si, et si, et si, et si. » Et c'est comme ça que, en fait, le projet a commencé à prendre forme, on va dire, parce qu'on avait nos idées chacun de notre côté. Et voilà, c'est comme ça que ça a pris forme. On a visité pas mal de locaux qui étaient trop petits, trop ceci, trop cela. Et puis un jour, on arrive à Lyon, on visitait une grange, on s'est dit, bah tiens, on va peut-être commencer petit. On visite la grange et là, on dit au monsieur qui le vendait, bah, en fait, nous, ce qu'il nous faudrait, c'est la grange et les deux maisons à côté pour que ça ressemble un peu à quelque chose. Le monsieur nous dit, bah, elles sont à moi, elles sont à vendre. Et bah, on a dit, allez, on y va. Donc en fait, on a acheté ensemble, donc sur fonds propres, pas de subvention, pas de quoi que ce soit, ce lieu pour créer un atelier partagé, donc avec des artisans, des artistes qui vont venir partager en fait les espaces et créer un vrai lieu de vie. Donc en fait, tout de suite, on est en rénovation et donc là, c'est Virginie qui s'occupe de la rénovation des lieux. Et donc, si tu veux te présenter, parce que bon, moi, je te connais. Oui. Donc, Virginie Chapon, alors, à la base, je suis travailleur sociale. Donc, comme on a dit, on était parti en Roumanie. J'ai fait dans l'enseignement, je suis revenue, j'ai un peu retravaillé. Et là, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer pleinement au projet sur l'atelier partagé, parce qu'il y a un moment... Quand on essayait de le faire à mi-temps, on a des enfants, donc à un bout à mi-temps au travail, à mi-temps pour rénover, on s'est dit, allez, il y a de la demande, il faut qu'on se jette. Donc voilà, moi j'ai arrêté mon emploi salarié et là je rénove pour que des artisans puissent avoir de l'espace pour travailler. Et là, ce, on arrive à transition, Julien. Qui est le premier à avoir pris place dans les locaux. Je me suis installé rapidement parce que je n'ai pas besoin d'endroit très propre, je suis dans un garage. Donc, moi, c'est Aérogommage Julien, donc je fais de la rénovation de mobilier en général pour les professionnels, tapissiers, décorateurs, ébénistes ou essentiellement des particuliers. Je fais aussi les escaliers, les charpentes chez les particuliers. Et à côté, j'ai une deuxième activité, c'est les luminaires de Julien. Donc, c'est du recyclage par le haut, de transformation d'objets en luminaires. Voilà. Donc, en je fait, suis installé sur place depuis
décembre. J'ai vraiment commencé à travailler en janvier sur le lieu. Qui est en train de grossir. Donc en fait le but c'est de faire un atelier partagé où il y ait les artistes, les artisans. On va avoir en fait trois phases dans notre projet. La première, vous l'avez compris, c'est d'avoir les artisans et les artistes avec nous. Ça nous permettra d'avoir des synergies, du savoir-faire local, etc. Ensuite, la deuxième phase, ça va être d'ouvrir un café, pub, restaurant. On n'est pas encore tout à fait fixé sur ce qu'on veut ouvrir, mais en tous les cas, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du passage, qu'il y ait des gens qui viennent rencontrer les artistes, les artisans, acheter, bien sûr, leur création. Et puis, créer un vrai lieu de vie. C'est pour ça qu'on parle de tiers-lieu. Très honnêtement, avant de commencer le projet, on ne connaissait pas du tout ce mot, pour être tout à fait transparent. Donc voilà, on crée un tiers-lieu, mais il y a quelques mois, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Et ensuite, la troisième phase, ce sera de l'événementiel. Donc en fait, on souhaite que les artistes et les artisans puissent créer des événements. Donc par exemple, qu'une potière puisse faire des ateliers poterie, qu'on puisse faire un concert, qu'on puisse faire du team building, etc. Donc beaucoup de choses variées. On a une grande grange qui permet justement de faire ça. Et juste pour terminer, on disait qu'on va doubler l'effectif. En fait, aujourd'hui, on a eu la confirmation de Charlotte, qui est couturière, qui va venir avec nous. On a eu la confirmation de Valérie, qui fait de la poterie et qui va rejoindre l'équipe. Et aussi de José, qui va ouvrir un Ripper Café avec nous. Voilà. De l'électronique. De l'électronique. Voilà, donc en fait, on est tous embarqués dans ce beau projet par passion, tous. Et aussi un petit jeune luthier. Et on a notre petit luthier, Clément, petit en âge. Qui sort de formation ans, pour luthier. Voilà. Et qui... Double 4, ça fait 7, il y avait un problème. Pour les mathématiques. On est complémentaires. Multiplication, voilà. À peu près doublé. Hein. Donc, voilà. On a tous des profils très différents, très complémentaires, comme le disait Virginie. Et on a, par contre, tous en commun la même chose, c'est-à-dire la passion de la création. Et du vivre ensemble, en fait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Des questions ? Où c'est situé ? Comment ? Où c'est situé ? Faubourg de l'Aïa, donc à la sortie de Rionnord, en fait. Et le but, c'est que vous ayez combien de personnes, combien d'artisans Remplir les lieux. Idéalement, en fait, ce sera avoir 5-7 personnes, dont c'est le lieu de travail principal. Et ensuite, on a aussi beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui ont besoin une journée par semaine. Ils ont leur activité à côté, mais ils aimeraient bien, en fait, avoir un lieu où ils ont un peu d'outils, un peu de travail transverse. Et donc, après, avoir une population de personnes qui vont être plutôt occasionnelles. Mais à cœur, à demeure, 5-7 personnes minimum, ce serait bien. Ce sera le système d'atelier coworking, en fait. Oui, coworking sous forme d'atelier, où les entreprises pourront venir là aussi travailler sur des périodes courtes, moyennes ou longues. Tout à fait, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail du projet, mais on va avoir les permanents et on va avoir aussi les occasionnels. Donc, comme disait Cécile, des personnes qui veulent venir, par exemple, pour quelques jours, pour faire un atelier couture, une formation en comptabilité, des choses comme ça, ou simplement venir partager un temps avec nous pour s'imprégner du lieu, partager des synergies. Avoir de l'espace pour créer quelque chose aussi, peut-être temporaire. Hein, on a vu des gens qui font, par exemple, du spectacle pour enfants, au moment de créer les marionnettes, etc. Au lieu de faire le salon en vrac, on peut réserver sur une semaine avec du matériel. Voilà. C'est ça. En exemple. Pour reprendre la question de tout à l'heure de mon voisin, en termes de modèle économique, puisque vous avez un investissement de départ... pas quel est son volume, mais en tout cas, quand vous parlez de 5-7 permanents, ça permettrait de couvrir votre investissement de départ Le modèle économique, en fait, on a le bâtiment, on a une société civile, et ensuite, on loue pour l'instant en bail, en fait, chaque espace, qui permet juste de couvrir les frais fixes. Et après, en fait, chaque personne vient avec son activité, son modèle économique. On compte sur la partie restauration aussi pour pouvoir avoir un salarié qui a demeure, c'est-à-dire qui fait vivre également le lieu. Et après, l'événementiel,
qui est plutôt partagé en fait et qui permettrait aux artisans de faire des compléments de revenus, à d'autres personnes de faire des revenus complémentaires. Donc on aura une association et on aura aussi une société pour le bar en fait. Mais vous comment vous allez vivre de quoi? Alors, nous, on est salariés Michelin, on est salariés. 100% restés. On le reste. Non, et ça permet en fait de pérenniser, parce que finalement on est. Et c'est vous pouvez mettre des bureaux. Oui. 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 On a pensé tout à fait. Il y a une douzaine de pièces en fait. Et donc le but d'accueil, c'est le maximum de diversité. C'est-à-dire pas avoir des métiers tous identiques dans le même lieu, mais justement avoir des métiers, des complémentarités complètes des métiers. Et de la place suffisante pour accueillir, je sais pas moi, un groupe par exemple qui pourrait faire quelque chose sur place juste parce qu'on a besoin d'espace. Ça dépend le groupe, quelle taille. En fait, si par exemple on envisage dans la grange, alors là on peut y aller 140 mètres carrés. La grange, c'est un carré de 15 mètres par 15 mètres, sans poteau, sans rien. Il faut la rénover aujourd'hui. Il faut la rénover aujourd'hui. Il faut avoir de l'imagination. L'idée de cette grange-là, c'est vraiment justement de faire de l'accueil de groupe. Après, on a une salle. Oui, beaucoup. Voilà, on avance ses travaux. On peut avoir une salle, par exemple, pour 10 personnes, très facilement, très rapidement. Ça, c'est. Voilà. Ça, c'est facile. Très bien. Vous allez faire quelque chose de modulaire, peut-être? Oui. Au niveau de la grange? La grange, oui, parce que comme c'est un carré vide, c'est facile. Après, les autres pièces, dès qu'on a des artisans qui s'installent, il y a leur matériel, etc. Ça fige un peu les places. Et on veut garder des pièces qui soient complètement adaptables pour des personnes qui viennent de temps en temps, quoi. Donc dans l'espace, il y a deux maisons. Il y a une maison qu'on veut garder fixe et sécurisée, parce que les gens qui viennent avec leur matériel, il faut quand même bien sécuriser. La deuxième sera plus ouverte et plus modulaire. Ah oui, il y a encore des questions. On pourrait le voir alors, par exemple, si on a un rendez-vous. Alors, on souhaiterait effectivement à terme mettre ça en place, oui. Pour justement permettre, par exemple, si il y a un VRP qui veut venir sur la journée, si on est en télétravail et qu'on a juste envie de ne pas être chez soi, comme ça peut arriver, ou comme tu dis, venir une heure, on a un rendez-vous, on veut avoir un espace un peu plus professionnel que son salon. Voilà, ce serait un peu cette idée-là, justement, d'avoir des espaces modulaires et de pouvoir répondre un petit peu à tous les besoins qu'on peut avoir. Là, par exemple, avec Jérémy, on regardait pour, si on veut s'installer ailleurs qu'à nos bureaux, ben, c'est pas forcément facile, hein. On a regardé un petit peu sur Clermont, c'est très compliqué. Soit on va dans des espaces où c'est vraiment, il n'y a pas un bruit... on a peur de déranger, soit on est au contraire trop de bruit. On a essayé beaucoup de coworking à Clermont, et c'est vrai que soit on arrive dans des cafés, et si on est une réunion, bah, on est un peu coincé. On arrive dans un endroit tellement silencieux qu'on n'ose pas parler, puis enfin, on se retrouve un peu petit sentiment de solitude face à son ordinateur. C'est pour ça que le fait d'avoir des maisons, des pièces bien séparées, en fait, nous permet d'avoir une zone où, plutôt bruyante, et puis de chercher à avoir des zones calmes. C'est ce qu'on souhaiterait aussi avoir avec le pub, brasserie, enfin d'avoir justement des zones que tu pourrais réserver, des endroits où à la fois tu peux avoir une réunion sans gêner les autres et en même temps enfin, te sentir à l'aise dans un endroit un peu plus relax qu'une salle de réunion très froide. Et en attendant ce lieu idéal, comme vous avez découvert la pépinière, ce soir au apéro, vous allez pouvoir venir faire vos réunions dans les salles, puisqu'on loue aussi après cette salle de réunion et les salles à côté. Donc, en effet, voilà. Pour vos missions actuelles ou pas, pourquoi pas. Oui. Ça va être l'occasion. Merci beaucoup. Merci. On va terminer par, c'est l'open micro, c'est ça Cécile, c'est le temps open micro. L'objectif, c'est dans cette salle, vous êtes une petite trentaine, est-ce que certains veulent faire part d'un projet, d'une actualité, d'une information? Vous arrivez sur le territoire, vous venez de vous installer, on va rallumer la lumière, voilà, super. Vous êtes en phase de développement, j'aperçois Fay qui était auparavant la pépinière, voilà ce que vous voulez, est-ce que certains veulent s'exprimer, dire un mot, une petite minute chacun, pour ceux qui le souhaitent. Toi?
Oui, en fait, je suis pas en phase de développement, mais c'était juste pour expliquer la caméra, puisque Cécile a dit tout à l'heure le connecteur est partenaire des Apéro. Et donc, on a la volonté d'avoir un rayonnement et de s'intéresser à tout ce qui se passe en Auvergne. Et à la fois, on est quatre. L'Auvergne est vaste, donc on n'est pas aussi souvent qu'on voudrait ailleurs qu'à Clermont et dans ses environs. Et donc, ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a un apéro quelque part en Auvergne, donc il y en a à Aurillac, il y en a à Monistrol, il y en a au Puy, il y en a à Brioude, il y en a à Moulins. Enfin bon. Donc, à chaque fois qu'on peut, on y va pour pouvoir les capter. Donc là, en fait, on aura demain ou début de semaine prochaine. Le replay disponible pour que vous puissiez vous revoir et vérifier votre pitch. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'en fait, on puisse regarder ce qui se passe ailleurs. Et en fait, c'est ce qui est vraiment chouette dans ce format de apéro, c'est qu'en fait, il se passe plein de choses fascinantes partout et que souvent, on ne les voit pas. Et donc, c'est ce qu'on vient faire là avec notre matériel léger qui peut avoir un petit côté impressionnant, mais pas trop quand même, et qui nous permet de garder en mémoire et de rediffuser sur notre site du connecteur, puisque ça, on le fait en tant que média, l'ensemble des témoignages de tous ces entrepreneurs qui font plein de choses formidables partout en Auvergne. Voilà. Merci. Toujours ce problème de main. Une autre prise de parole par le public, peut-être pour ceux nouvellement installés sur le territoire ou qui veulent parler d'un projet économique assez rapidement, mais n'hésitez pas. Donc le mot de la fin en effet. Merci à tous. Merci. Vous avez compris ? Monsieur Vanichon, monsieur Bécot ? Non. On est à votre disposition. Vous pouvez vous installer bien sûr sur Orion, il n'y a pas de problème. Pour vous aider, si on peut vous aider, on sera là. Je remercie OVN, la marque OVN est venue jusqu'à nous, le connecteur. Et puis merci à RLV de toujours être en avant et de pouvoir permettre à beaucoup d'entreprises de se développer. Ayant visité le chantier d'Hermès, je peux vous dire qu'on peut se réjouir d'avoir Hermès qui arrive sur le secteur et qui va permettre à tous de bénéficier de l'attractivité du territoire. C'est tout ce que je veux vous dire. J'échange avec vous. Parfait. Et on va pouvoir passer à la